C'est le couloir du jugement. J'ai été tué par l'humain et Risette, mais ma mémoire est trop claire. Sans? Cette voix, Papyrus? Sans, est-ce que c'est toi? Papyrus? Il est vivant? Pourquoi? Sans? Pourquoi es-tu ici? Et pourquoi est-il toujours vivant? Cette technique d'application de manipulation de la gravité, pourquoi il peut l'utiliser? Dis-moi, gamine, qu'est-ce qui se passe? Explique! Pourquoi? Dis-moi! Stop, Papyrus! Tu n'es pas mon frère Papyrus! Quoi? Sans, tu es... Tu es une personne différente, mais tu ressembles à mon frère. Qui es-tu? Tu es sérieux? Alors, à qui est-ce que je suis en train de parler? Et cette gamine est... Derrière vous! Cet humain, c'est... Ils ont soudain été enfermés dans le couloir du jugement. Ils coopèrent pour vaincre l'humain qui en est la cause. Ils ont tous vu la roue du génocide. Ils ne reconnaissent pas l'apparence de ce visage sans âme, car ils reconnaissent le serial killer de leur monde ayant l'apparence des huitièmes humains tombés ici-bas. Undersoft Papyrus a été perplexe en voyant Sans et Story Shift Kara, mais il interagit normalement avec eux maintenant. Sans ressent quelque chose avec Story Shift Kara, bien qu'il n'ait jamais vu Story Shift Kara. Story Shift Kara est la plus sensible des trois aux sauvegardes et au chargement. Story Shift Kara ne pourra pas se battre pendant longtemps à cause des blessures causées par la magie.